Daniela, police is here. Police is you. Close. No love. Now, no. Silent, please. Et en fait, je devais être vraiment méchante aux gens et je devais leur dire qu'il faut mettre toute leur passeport, oui, leur carte d'identification dans les boîtes. C'était difficile d'être méchante parce que les autres n'étaient pas méchants. Donc j'étais la seule qui était méchante, mais c'était aussi rigolo parce que les gens, ils ont toujours rigolé et souri. Et moi, j'étais comme ça tout le temps. Ils ont continué à sourire. Et dit « Oh, merci beaucoup !» Même si j'étais vraiment « Mais ça dans la boîte et tout ça !» Et ils étaient « Merci !» Ok, pourquoi « Merci » Bon tour. God saves us. Bon tour. God with us. Mais moi j'avais le rôle d'un passeur de passagers clandestins complètement irresponsable et criminel. Voilà. De convaincre les gens justement de se ranger pour rentrer dans un prendre place à bord d'un bateau imaginaire qui allait traverser la mer Méditerranée en 4 minutes. Et je devais les convaincre de se mettre dans une file et de se ranger dans tous les carrés du carrelage. Non, dans ma vraie vie, non, je pourrais pas. Mais c'était chouette parce qu'il y avait un côté convivial et je me suis pris au jeu, mais j'étais pas vraiment méchant. Let's go! Let's go! Allez-y! Allez, on accélère un peu. 15, allez-y! Encore! Allez-y! Dance means movement, dance means hope, dance means change any negative power, any negative situation. It's called tuta. It's tuta. Now I will make it without hearing the voice, but you can hear the movement. Okay. Ready? Et moi j'étais celui qui recueillait tous les témoignages, voilà. Certains jouaient le jeu, la majorité jouait le jeu, d'autres pas, et certains plus que d'autres en fait. Et ceux qui jouaient vraiment le jeu, qui s'étaient vraiment investis dans le truc, on les envoyait dans une salle, seuls, filmés avec un avocat, et pour un interrogatoire beaucoup plus poussé. Vous n'êtes pas capable de nous dire son prénom. Si
peux pas vous accepter. Revenez avec vos vrais papiers dans quelques mois. C'est pas mon problème. Vous n'avez pas le même nom qui est sur le papier. Je peux pas vous accepter. C'est pas le problème. On va mettre les gifs, après le soleil en Grèce, pour aller en Hongrie et finir mon voyage à Bruxelles. Et aller en Hongrie pour finir mon voyage à Bruxelles. Next. Ça va. Et qu'est-ce que vous faites à Bruxelles? Bonjour. Vous avez travaillé? Oui, travailler sur un emploi. Continuer les études. Des études de quoi? De médecine. De médecine aussi? On fait une médecine, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Vous êtes venu tout seul? Oui. Oui. Bon, mais encore une fois, vous n'êtes pas notre calcul de plan. So, just come back in a few months and maybe we can do something, ok? Vous allez devoir attendre aussi un délai de 2 semaines avant de pouvoir revenir. Merci. Yes, we start. Can you tell me, madam, what's your name? About? What's your name? Tuma. Okay, what's your father name? Mohammed. What's your mother name? Fatima. Where are you from? From Mosul. From where? Mosul. Mosul, Iraq. Oh, Mosul, Iraq. Okay, perfect. What's your job in Iraq? I'm a student. A student. Perfect. What's your problem that you leave your country? I'm persecuted by the government because there is no freedom of expression in Iraq, and it's a war. And, okay. And where is your family? Most of them are dead now. And how many brothers and sisters you have? Two brothers and one sister. And you say that most of family you're dead. Yes. By what reason? Can you tell me the reason? Bombing. Sorry. I'm really sorry to say this, but this is the questions. Yeah, I know. I'm really sorry to hurt you. I don't want to hurt you, but what should I do? This is my job, okay? So you come from Iraq to Belgium. How much money you give to the smuggler? Depends. How much? The total? Yeah. I mean 3,000 euros. And how many countries you passed? I'm not sure because I'm not a problem. On the boat and the train and the tracks. And why you choose Belgium? Can you tell me why you didn't go to? I didn't really choose Belgium. Perfect. You have some ID cards, but no. But how long it will take? I really don't know. Maybe 1 year. Maybe 1 hour. Maybe 1 year. Just waiting. Thanks a lot. Have a very good day. Thank you. Absolument avoir le visa de sortie pour pouvoir continuer l'exposition. Ils doivent avoir un cachet reprenant la date du jour qui se fait juste au bureau ici derrière au coin. Vous êtes d'accord dans la réalité? Vous êtes d'accord que la frontière pourra être sécurisée en tant que. Là, vous êtes dans le personnage ou pas? Ouais. Oui, bien sûr, il faut absolument que tout soit vérifié pour la sécurité, c'est important. Maintenant, c'est très difficile de devoir dire à des gens « Vous ne pouvez pas y aller, vous devez retourner chercher le cachet ». C'est compliqué parce qu'on voit que ça embête les gens. Dans la grande tente ici, vous trouvez des photos qui ont été prises par des réfugiés qui vivent dans le camp de Calais en France. Donc il y a quelques grands formats et puis toute une série de cartes postales avec à chaque fois une légende qui a été rédigée par ces migrants photographes au dos. Et donc vous êtes invités à les regarder et à laisser un commentaire au dos que vous voulez exprimer après toute cette visite. Voilà, j'ai pris la dernière tente sur votre gauche. Ouais, est-ce que vous avez écrit? Je lui ai dit qu'ici tout allait bien. Que ici tout allait bien. Mais que j'avais beaucoup de choses à lui raconter. Oui, c'est ludique, mais en soi, ça n'a pas vraiment à l'être, quoi. Nous, on en rigole, mais bon. Parce que, enfin, je sais pas. Mais oui, moi, j'ai bien apprécié. D'ailleurs, j'ai mis mon petit passeport, là. Je crois que je me suis envoyé mon passeport. Oh non! Mais non, j'ai beaucoup apprécié, oui. Surtout ce genre de truc. Merde, je trouve pas mon passeport. Ah, s'il est là. Voilà. C'est bon, j'ai tout.
Donc bon, on continue. Merci. Bonne soirée, bon courage. Bah, c'est une exposition qui m'a donné envie d'être vue, vu la thématique qu'elle traite et qui me touche personnellement beaucoup. J'ai surtout trouvé la partie artistique intéressante. Au niveau du reste, je trouve que c'est juste un avant-goût, mais qu'il ne faut pas que les gens se disent qu'ils ont vécu quoi que ce soit qui se rapproche de l'expérience d'une personne qui quitte son chez-soi et qui doit arriver ici, essayer d'arriver ici d'abord et puis peut-être arriver ici et faire son trou ici. Mais bon, voilà, c'est une démarche intéressante et je trouve qu'il faut plus de choses de ce genre et même peut-être en allant un peu plus loin, mais c'est déjà une bonne étape, un bon premier pas. Et c'est pour quelle raison vous avez choisi de faire cette exposition-là ? Bien parce que je crois qu'il faut laisser la parole aux principaux intéressés. On entend de plus en plus parler de ce thème, mais pas spécialement par la voix des personnes qui l'ont vécu elles-mêmes. On entend dans les médias beaucoup de gens qui n'ont jamais vécu ça nous en parler et moi ça m'intéresse d'entendre ça de la part des personnes qui sont directement impliquées et qui ont directement eu à vivre ça.